Même pas sortir. Même pas découvrir la ville, non, non, pas rester à la maison. J'ai des potes qui vont m'appeler, ils vont me dire viens, viens, je vais faire un. Supprimer ta liste d'amis. Bloquer le numéro. Momentanément, le temps de battre le Yen Moran sacré. Bon alors. Ouais, bah, battre le Yen Moran sacré, tabasser le Seades Barbe d'Or. Y'a un mec sur moi là, si tu vois à côté. Je fais un boost de vitesse. Bah. Putain, je vous carry, monsieur. Regardez, j'ai mis deux mecs par terre là. Monsieur, vous buguez à mort. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a une grosse barre rouge sur votre personnage. Non, je vois pas du tout. Je suis mauvais. Ah bon. Il y a le Dwight qui m'a t-bag, monsieur, d'ailleurs, si vous voulez faire ce que vous voulez avec l'information. Il m'a t-bag comme un porc. Je crois qu'il est à la cabane. Il est là, là. Il est sur vous, là? Oui. C'est lui, là. Petit con. Putain, je pensais qu'il allait continuer tout droit. Attends, attends, on ne le ramasse pas, viens, on lui fait des oui-oui. Il est où? Ils font un jet de monsieur à côté. Monsieur, étape 3, 2, 1, go. J'ai cogné le vide, j'aime bien. Bah. Tu bugs, y'a une grosse barre rouge sur ton tueur. Donc, si tu vois des trucs bizarres, c'est normal. Ah, il était blessé. Mec, calmez-vous. Je crois qu'il était pas blessé, moi, bah, c'est pour ça. Bah, ici. Mais pourquoi elle s'est TP ici, monsieur? Parce que tu bugs, je t'ai dit. Attends, on va faire mon master duel. Yeah. Je me suis fait flashlight save. Le Steve, je vais l'enculer à sec. J'arrive. Je vais vous manger ma faim. Venez, monsieur, tapez ce fils de pute. Tiens, vas-y, barre-toi, tu mets le boost. Là-bas, je vais te choper et je vais t'enculer. Oh, vous tournez à la cabane, monsieur, c'est pas fou. Hein.
Et si on est bon avec le lancement, monsieur, la cabane, c'est pas un problème. Hein. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de gêne à la cabane, il n'y a rien autour de toi à protéger, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, il y avait un gêne, mais il a des... Non. Viens là, Steve. Je reste vraiment que là où il y a des moteurs, sinon faut pas y aller. Ça, monsieur Overly, là, le gars en haut qui est accroché, je l'encule dès que je peux. Il y a du monde sa mère sur moi là. Le Steve il est par terre, tu peux le ramasser tranquille si jamais il est méchant. Il est où le mec par terre? Et il s'est fait relever. Ah, tu l'as ramassé. Il est où le Dwight alors? Bah il est en survolté mais il est parti. Parce que je l'ai grabé mais il a pu poser la cabane. Bah, enfin, alors regarde au top là où il y a le jet. Regarde, ils vont tomber dans la mort. Vas-y, casse. Oh, moi, ces énormes rats, là. Oh, c'est magnifique. Pardon? Mais il a caché, arrêté de rigoler. Alors. Comment ça? Oh, le Steve. Oh, le Dwight. Viens là, Dwight. Ton petit cul. Il est où le Dwight, monsieur? Bah, pardon! Il est où le Dwight, là, monsieur? Il faut l'accrocher. C'est primordial. Le Dwight. Toi, tu viens ici, toi. Il a cru qu'il allait partir comme ça. Dis-moi qu'il est mort. Allez, cher. Ils ont ouvert quelle porte, là? Ah, c'est celle où je suis qu'ils ont ouvert. Ils ont peut-être ouvert les deux après. Ils ont ouvert les deux. Donc je sais pas du tout où ils sont. Mec, t'as aucune indication. Ça, c'est ça qui est abusé. En endgame, il y a toutes les trappes qui sont ouvertes et en plus, tu sais pas où ils pourraient être. Genre. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais elle est pas ouverte, celle-là que je raconte. Ouais, oui, bah du coup, on va aller trois fois. Est ouverte. Ouais, trop bien. Ouais, il m'a dit les trois sont ouvertes, je suis allé jeter un coup d'œil là-bas, il y avait personne, j'ai fait ah c'est l'autre. J'arrive, je vois la porte, elle est fermée. Il n'y a pas un faisceau libre. C'est pas grave, on a tué les casse-couilles. Ceux qui nous ont fait du mal. Encore une.
Allez. Ah, c'était pas mal là, le truc avec la palette. Je fais un clip vidéo, c'était mec. C'était bien drôle.